Mais avec une production estimée à 185 000 Yaris cette année, l'usine valenciennoise tourne à 70% de sa capacité. 2 semaines de chômage partiel sont programmées d'ici fin novembre. 800 intérimaires ont été remerciés depuis janvier. Loin des micros et caméras, le représentant de la CGT, Éric Pecker, a interpellé le ministre sur cette situation. Est-ce que le gouvernement y prend une mesure pour interdire de jeter les intérimaires au chômage et au contraire de les garder? Non, il n'y a rien qui est fait. Est-ce que le gouvernement socialiste, là, prend une mesure pour obliger les patrons à augmenter les salaires? Non. Alors là, c'est le cirque Montebourg dans la région, mais les ouvriers n'ont pas besoin d'un clown, hein, ils ont besoin d'un vrai emploi et d'un vrai salaire.